J'ai grandi dans un quartier mal famé et on disait toujours, t'arrives à de meilleurs résultats avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul. Dans ce quartier, c'était peut-être vrai après tout. Et voilà comment une réputation, ça tient pas à grand-chose. C'est vrai, il y a de la violence à Chicago, je ne le nie pas, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi, et vous savez pourquoi? Parce que ça tue le commerce. Tu sautes l'essentiel, il doit représenter son client avec zèle. Voilà ce que dit la loi, et voilà pourquoi tu dois être condamné. Oui, condamné pour trahison d'un frère humain. Condamné pour trahison de ton pays. Condamné pour m'avoir trahi, moi, tu es coupable. Alors voici, en vertu des pouvoirs à moi confiés par le royaume du Seigneur, la sentence, tu resteras dans le cercle de l'enfer. Tu vas comprendre le sens du mot échec, l'horreur de n'être plus un homme, loin de tout et abandonné. Cet ami, disons qu'il a... C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Il n'a jamais un problème, dans aucune affaire. Et voilà tout à coup sur le point de s'écrouler. Voilà qui pleure sans raison, voilà qui dort plus. Il sort plus avec ses amis parce que d'un seul coup, ça le rend nerveux. Il se met à transpirer et il voudrait bien plus les voir, ses amis. Mais ces gars-là, ils connaissent toute sa vie. Alors, c'est... Il y a ce genre de crise cardiaque. Là. J'ai comme... Il peut plus respirer. Il a des genres de... Il a des vertiges. Et dans la poitrine, des douleurs. Il se dit qu'il est en train de crever. Panique soudaine. Ah, mais vous me fatiguez avec cette putain de panique. Les mecs, qui a parlé de panique? Qui a parlé de panique? Pas de panique. Des douleurs respiratoires, des vertiges, ouais. Des attaques. Ouais. Et ce type, il se demande comment faire pour que ça finisse. Oh, qu'est-ce que tu veux savoir, mec? Tu veux savoir s'il m'arrive d'avoir envie de manger une pastos? C'est ça? Je vais te répondre. C'est oui, j'en garde mes munes spécialement pour l'occasion, et vidées à la base, regarde. Je connais pas mieux pour donner du boulot aux femmes de ménage et réussir sa permanente. Chaque jour que Dieu fait, je me lève et je dois penser à une raison de ne pas le faire, tu m'entends? Chaque jour! Et tu sais pourquoi je résiste? Ça va te faire marrer, tu sais pourquoi je résiste? Le job. Le job n'attend pas, voilà la raison. Oui! Battez-vous et mourrez peut-être! Fuyez et vous vivrez! Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling, pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Le problème dans cette histoire, c'est que plus j'essayais de t'enfoncer, et plus j'apprenais à te connaître. Et plus je te connaissais, et plus j'étais émerveillé. C'est vrai. Tu m'as ébranlé, tu as bouleversé ma vie, tu m'as ébloui. Les hommes dans le genre de ton ex-mari sont coupables de t'avoir fait croire que le prix à payer pour être toi-même, c'était de perdre le droit d'être aimé. C'est bien ça que tu as essayé de me dire l'autre soir, que tu n'étais pas une femme complète et dans ces conditions pas vraiment gagnante. Tout ce qui fait que tu es toi, ton esprit, ta bonté, ton intelligence, tout ce que tu es, tout fait que moi je te désire encore plus. Le Billy fait jamais ce que je demande. Je suis pour rien dans ce qu'il a fait. Alors, si une personne doit faire payer une autre personne pour pouvoir se sentir un peu mieux, Billy doit être cette autre personne. Tu, ce petit merdeux. Ça ne me fera ni chaud ni froid. De père à père, n'essaie pas de m'expliquer, tue-le. C'est tout ce que t'as à faire. Dieu sait que j'ai fait preuve de patience. Et tu paies en liquide en plus. Mais si tu oses me demander où est Billy, je te descends. Il faut que je t'avoue quelque chose. Quand tu as eu ton accident, ta sortie de route, c'était ma faute. Quand j'ai appris que le pays allait subir une attaque, je suis devenu dingue. Je devais rentrer à l'abri aussi vite que possible. Alors j'ai foncé, comme un vrai possédé. J'ai voulu doubler ta voiture. Et... j'ai provoqué ta sortie de route.
Oui, je sais, je donne l'impression d'être un type sensé. Mais là, j'étais complètement dépassé, affolé. Oh, c'était un accident, mais c'était ma faute. J'ai pas... J'avais peur de te le dire. Et je... Je suis vraiment désolé. Deux groupes de la première section à vous. Deux groupes, mais vous vous foutez de moi ? Cassez les couilles, Saros ! Si vous le faites, mon dieu de merde! Je veux l'effectif complet sur le front! On a ainsi perdu de temps! Toute votre compagnie! Votre première section manque, les abonnés! Ils sont plantés sur leur cul, rien de foutre! Vous allez immédiatement leur envoyer l'ordre d'attaquer! Je veux un déploiement sur le flanc de cette crête! Et je veux votre deuxième section disposée en bas de la colline! Et qu'ils pressent au centre jusqu'à ce putain de sommet! Je veux une attaque immédiate! Mon dieu, Staros! Est-ce que je dois vous donner des cours de soins de tactique d'infanterie? Non! Sacré nom de Dieu, je dis non! Je vous défends de procéder par le flanc! Alors écoutez-moi bien, Staros! Vous n'emmènerez pas vos hommes faire les soifs dans la jungle pour ne pas avoir à vous battre! Vous entendez ce que je vous dis? Vous allez attaquer maintenant avec tous les hommes dont vous disposerez! Vous attaquez, Staros! Exécutez mes ordres! Le bleu pour la compta, le fuchsia pour Germaine. Ah non, le fuchsia pour la production, le bouton d'or, c'est pour Germaine. Fiout, cacadois, c'est quoi déjà? C'est ça, cacadois. Je le reconnais, on dirait Léon. Ah, Léon est ton monstre. Ah, tu crois qu'il va sortir du placard pour te faire peur? Oh, misère, ça va pas être simple. Eh ben, regarde, il est vide. Tu vois? Il n'y a pas de monstre dans le placard. Bon, maintenant, il y en a un, mais j'ai aucune intention de te faire peur. Je suis pas de service. Je suis désolé. Je suis désolé qu'on soit coincé ici. J'ai pas voulu que ça tourne mal. Mais Bou est toute seule, elle est perdue. Je suis sûr qu'il y a un moyen de la sauver si on arrive à gagner le village. Vous pouvez me traiter de cinglé d'avoir suivi ce gars-là tout le long. Mais même s'il s'obstine à le nier, je sais qu'il y a du bon en lui. Et puis d'ailleurs, je pouvais pas le laisser tout seul dans la nature. Comme Lama, il est nul. Il est nul. Il est vraiment très nul comme Lama. Nous l'avions placé sous la protection des humains, à la demande de votre gouvernement. Mais je viens solliciter ton aide, Sam. Car vos gouvernants pensent que nous avons attiré la vengeance sur votre planète. Peut-être sont-ils dans le vrai. Pour cette raison, il est préférable que ce soit un humain qui leur rappelle la confiance qui nous lie. Bonjour, Monsieur Leboeuf. Bonjour, Tiana. Il paraît qu'on vous a nommé roi de la parade du Mardi Gras. Alors là, j'en suis vraiment le premier surpris. Ça ne fait jamais que 5 ans que ça dure. Bon, j'ai bien envie de fêter ça, mais... Des beignets ? On vient de les faire, inattendus que vous. J'en prendrai bien une ou deux douzaines.